Ils organisent pareil. Donner des rendez-vous aussi importants à 5 personnes, puis nous laisser là, arriver en retard, et en plus de l'étranger. Non mais sans déconner, avec une organisation pareille, il faut pas. On n'a pas le droit à la moindre couille. Il y a qu'à voir, on est tous là comme des cons. Je vais la con. Écoutez-moi bien. Je pars. Et vous direz au pseudo-docteur qu'il va recevoir de mes nouvelles. Le docteur va aussi entendre parler de moi. J'ai beau détester les virus, je vais lui pourrir son site internet en racontant à tout le monde de quelle manière il se moque de ses patients. Vous allez voir. Le grand docteur Sperme, Eustache Sternière, le meilleur de spécialistes de la sommité. Eh bien, vous me direz de ma part que c'est un charlatan, voilà. Voilà. Ben moi, je vais y aller, hein. Eh bien, moi aussi. Eh bien, moi, je vais y aller, hein. Ben, pourquoi? Ah ben, parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire beaucoup trop tard. Ah ben, parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire beaucoup trop tard. Si tout le monde se barre, prudence. Écoutez, je ne sais plus, vous m'aviez presque convaincu de participer à une thérapie de groupe. Mais bon, si tout le monde s'en va... Ben, moi, finalement, je vais rester. J'ai envie de savoir ce qu'il a à dire, ce grand Ster. Et si je le trouve pas assez convaincant, il n'est pas à l'abri de se manger un bourre-pif, le grand. Oh, dans ce cas, je reste avec vous, ne serait-ce que pour vous éviter de faire une bêtise. Ah, ça, c'est gentil. Blanche, avant que le groupe ne se disperse, vous qui avez participé à une thérapie de groupe, ça se passe comment, juste? Eh bien, c'est très simple. Au départ, tout le monde se présente, explique son problème, et ensuite on travaille sur chacun par plage. Eh bien... Eh bien, pourquoi on tenterait pas l'expérience sans le docteur? Ah oui. Moi, je suis partant. Après tout, on n'a rien à perdre. Mais c'est vrai, ça, prudence. Écoutez, les groupes m'ont toujours terrifiée, vous le savez, mais si c'est avec vous, là, maintenant, je vais essayer. Pute de merde! Merci. Parce que vous la remerciez, on va laisser de la bière. Lily, tu fais ça de vous? Ah bah si vous le faites, moi je le fais. Hein. Ah bah si vous le faites, moi je le fais. Hein. Génial, merci. Marie. Ma douce et belle Marie. C'est à vous. Inutile d'employer la flatterie. Je ne me prêterai pas à ce simulacre. Un point, c'est tout. Pute, 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 pute. Bon, je vous dis qu'on ne jugeait pas. Oui, Dieu est témoin et Jéhovah aussi.
Vous voulez pas vous piéger? Bon, en même temps, c'est pas la guerre, hein. C'est moi qui vous ai demandé.
même pas capable de tenir plus de 10 secondes, sans déconner. Et en plus, je me fais niquer par 3 petits cochons. C'est quoi? C'est la honte, non? J'attends que tout le monde se barre et Prudence et moi, on sera une partie d'échec, quoi. Mais non, moi, je voudrais ma thérapie, moi. Je te dis que ça sert à rien. Moi, ça, c'est complètement nul. Marie avait raison. Mais c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné pour toi que ça ne va pas fonctionner pour les autres. Oui. Et même si ça ne va marcher que pour une seule d'entre nous, ça vaut la peine de continuer. Oui. Et même si ça ne va marcher que pour une seule d'entre nous, ça vaut la peine. Bon, je veux pas foutre la zone, mais en tout cas, j'y crois plus une seule seconde. Maintenant, si vous voulez continuer, vous continuez. Je veux pas être désagréable, hein. Ni vous décourager, surtout. Eh ben, c'est rudement bien limité. Allez, à qui le tour? Oh, toujours au couillon qui le demande. Allez, je trouverais ça génial que quatre personnes qui ne se connaissaient pas il y a 2 heures
Il ne faudra pas m'en vouloir. Bon. Que dois-je faire? Vous ne devez rien vérifier pendant 3 minutes. Sauf mon cul! Laissez-vous signer! Ah oui, le tricot interdit, hein? Vous avez vos clés pour rentrer chez vous? Oui, je sais. Et vous êtes sûre? Sûre. Sûre, 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 sûre. Et vous avez vérifié? Des tonnes de fois. Non, mais parce que des fois, on croit avoir vérifié. Et au final, les clés ne sont pas dans le sac, hein? Oui, puis des fois, on s'est trompé de trousseau. Ou alors, on croit les avoir entendus, mais c'était une autre chose. Une barrette ou des pièces de monnaie? Oui, c'est vrai, ça. Une barrette ou des pièces de monnaie? Et puis, si on n'a pas la clé pour ouvrir l'appartement, on ne l'a pas non plus pour fermer. Le gaz, l'électricité et l'eau qui s'écoule. Qui s'écoule? Et dans l'appartement qui va exploser! Je ne peux pas t'en...
combien de fois? Chacune? Non, en tout. En tout? À la louche, bien sûr. À la louche, je sais pas. Bon, alors chacune? Chacune, je sais pas non plus. Bon, et bien seulement vous? Seulement moi? Non, même ça. Bah, comment ça se fait? Ben, ça se fait que j'ai pas compté. Pardon? J'ai pas compté. Quoi? Vous, Dominique, vous n'avez pas compté? Ben non, je m'excuse. J'ai pas compté. Mais c'est génial. Mais quoi, que je m'excuse? C'est génial. Mais que je m'excuse? Mais non, que vous n'ayez pas compté. Venant de vous, c'est surprenant. Mais comment ça se fait? Vous n'avez pas compté tous nos encouragements, alors que vous comptez absolument tout. Ça se fait que... Ben, j'étais focalisée sur Lily. Et si c'était ça la solution? Quoi? Eh bien, ne plus penser à soi, s'oublier. Mais alors j'ai réussi. Moi qui pensais avoir raté. Ben oui. Mais c'est tout bon. Finalement, une sur cinq, c'est pas si mal. C'est déjà mieux que le fiasco annoncé. Ah bah oui, puis annoncé par qui? C'est vrai, je n'y croyais pas. Mais force est de constater qu'une, c'est déjà bien. Et deux, c'est encore mieux. Et deux, c'est encore mieux. Pourquoi deux? Il y en a une deuxième. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Qui? C'est qui? C'est vous, Blanche. C'est vous, Blanche. C'est moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Eh bien, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous êtes venu vers moi, vous m'avez serré la main très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Vous êtes sûr? Eh bien, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous êtes venu vers moi, vous m'avez serré la main très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Là maintenant, sur le décalage d'une phrase, on est morte. Tout à fait sûr. Tout à fait sûr. C'est ce que je vous disais. Et pourquoi vous ne vous êtes pas lavé les mains cette fois-ci? Eh bien, elle était focalisée sur elle. Voilà. Eh bien, c'est champion ce qui se passe là. Finalement, on a toutes réussi. On est quand même à 50% de réussite, mine de rien. Ah ben, dès qu'on arrête de se regarder le nombril. Ah bon, parce que alors vous dites le nombril. Oui. Alors, vous avez déjà eu un pénis en pubis? Ça, vous prenez ça? Ah non, 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 non. Moi, j'ai pris ça. Non, mais c'est vrai que d'habitude, quand quelqu'un me touche ou quand je touche quelqu'un, il faut absolument que je me lave les mains ensuite. Et là, curieusement, ça n'a même pas effleuré l'esprit. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais. C'est parce que quand vous avez pris les mains de Lily, vous lui avez donné de l'amitié. Oh. Et que l'amitié, ce n'est pas sale. Oh putain, que c'est bon, Lily, on dirait. Mais non, bien. J'aime bien cette petite séance de rattrapage. Allez, continuez sans moi, hein. Je reviens de suite. Ah, j'ai trouvé! Quoi? 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 J'ai trouvé une autre personne qui pendant une seconde a oublié son top. Ah, moi je sais. C'est le colonel Moutard qui a fait une motero avec un chandelier dans la bibliothèque. Non, Dominique, reste un peu temps quand même. Alors c'est qui? C'est Marie. C'est moi. Mon Dieu, quel bonheur. Mais quand? Au tout début, Marie. Sans le vouloir, bien sûr. Prudence, vous avez traité Marie de sac à mer. Ah oui, oui, ça c'est vrai, je pense bien. Je ne sais pas, oui, c'est possible. Et alors? Et alors, elle n'a pas vérifié son sac. Mais pourquoi elle aurait dû le faire? Mais pourquoi elle aurait dû le faire? Et parce qu'à chaque fois que quelqu'un prononce le mot sac, elle ne peut s'empêcher de se jeter sur le sien pour tout vérifier. C'est comme un réflexe. Regardez là. Ah, non, 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 mais c'était pour mes clés, mais je sais. Marie, vous souvenez-vous pourquoi vous n'avez pas vérifié votre sac tout à l'heure? Oh, ben j'étais tellement outrée que je n'y ai même pas pensé. Bon, alors, en admettant que Marie a réussi à combattre son toc, il ne reste plus que deux personnes,
Jean et moi, depuis le début, j'ai tout répété. Hein. Ah oui. Je suis sûre que depuis que vous êtes avec nous, vous avez absolument tout répété. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Non. Tout sauf deux lettres. Quelle lettre? Une syllabe. Et quelle syllabe? Pi. Pi. Mais c'était quand ça? Pi. Mais c'était quand ça? Ah oui, je sais. C'était pendant le tour de Dominique. Et là, qu'elle a dit 3,14. 116. Voilà. Mais encore, je vous ai épargné toute la tartine après la virgule. Hein. Ha ha ha!
voiture. Oh, une ambulance sans doute. Dans la poche là. Ah, taxi. Ah, bon, prudence. Ah, je vous donne ma carte. Mange ta merde. Prudence, si un jour vous avez besoin de moi, ne m'appelez pas, je serai certainement très occupée. Par contre, si vous avez besoin de parler à une amie, c'est le même numéro. Merci. Le bas droit au cœur. Au revoir, Prudence. Au revoir. Ah bah tiens, Lily, t'en donne une deuxième. Merci. Avant de partir, je voudrais vous dire quelque chose, Prudence. Je suis certaine que vous aussi, vous avez réussi à combattre votre toc. Même si on s'en est pas. Merci Blanche, ça me va droit au cœur et ça me touche beaucoup. Oh mais pour une fois, je peux toucher quelqu'un. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Paris, je vous dis au revoir aussi. Permettez-moi. Barcelone, séance à 15h30. Vous vous souvenez? Claro que si! Hijo de puta! Il lui a attaché sa veste, mais c'est un homme bien élevé, tu vois, et il le devient
son tour en répondant « Je vous en prie. » Voilà. Et puis vous vous quittez, hein, sans gaffe ni insulte, presque amie, démontrant ainsi. Tu vois que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont permis de remplacer le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, mon chant, que je te demande de dire un petit bravo à Simone, pour ne pas qu'elle pense que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu me comprends? Oh, mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On est en même temps où ta soeur, pendant presque 3 heures et demie, parlait, mais j'ai cru mourir. C'est contagieux, c'est une histoire de fou. Je te préviens. Avec toi, ce sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre, je ne le reviens plus. Tu m'as compris? Je ne le reviens plus jamais. Je suis à bout. Ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce que là, t'es poli sur scène. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. Non, mais c'est ça. Alors, tu n'es tout de même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée. Mais ta sœur m'a torturée, Louise, tu m'entends? Torturée pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, hein, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. Mais c'est un mauvais exemple, j'aime pas le Japon. Ah, genre, un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Ah bon? Mais il y a quoi? Et à mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant une petite minute la tête d'occidental du putain. Louise, je t'ai prévenu. Je suis à bout. Car en réalité, lorsque le samouraï blessé dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Parfaitement. Ton sabre a meurtri mon corps! Mais mon âme, elle, reste intacte et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Car en réalité, en disant bravo à son bourreau, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo. Alors maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes, c'est pas pour être tenu, je ne sais pas. Ah ouais, ça tu l'as regardé, t'as. Oui, tout le temps. À un moment, j'ai cru que c'était arrêté pendant une salon de tirade avec le barbu, son mari, je crois. Ça n'avançait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient à 800 personnes coincées dans les fauteuils, elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai tenu, je ne sais pas. Bon, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Ah non, non. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot, un seul mot, un mot magique. Entracte. Entracte. Il n'est jamais venu. 5 actes sans une seconde de répit. Et tu appelles ça la civilisation, Louise? Mais 15 ans d'attente, Jean-Claude! 15 ans de Simone attend d'entrer à la Comédie Française! Et là, ça y est, on y est! Et miracle, on lui offre le rôle dont elle a toujours rêvé! Ce soir, hein, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre, dans le plus prestigieux théâtre d'Europe! Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire un petit bravo! T'es devenu Jean-Claude un animal? Non, mais attends, elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Et le soir de notre mariage, t'as oublié peut-être? Elle nous a déclamé un morceau là en plein milieu du repas, sans rien dire à personne. Les gosses sont foutus à pleurer. Les invités, il n'y a plus un qui a voulu danser. Mon père, il a gueulé sur le tien. Ah, il nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. Oui, mais alors c'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise, hein. Ah, la surprise, ça a failli que je quitte la table, Louise. La table est le plus beau jour de notre vie. Ah, il fallait que je t'aime pour rester là, immobile. 20 minutes, le couteau planté dans les gigots. Pendant que l'autre hystérique, elle pleurait sa poésie en se caressant les seins. Et un temps après, elle recommence.
as-tu accompagné? Pardon? Pourquoi es-tu venu à cette générale? Non, mais tu plaisantes. Pas le monde du monde. Tu connais Simone? Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre? Pourquoi es-tu venu? Parce que ça fait 6 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il nous faut manquer sous aucun prétexte. Ah, chez nous, la soirée du 24 février, elle est soulignée en rouge sur tous les agendas, sur tous les calendriers. C'est devenu une fête familiale. Alors nous, cette année, on aura eu Noël, Pâques et Phèdre. Et dis-moi à ce propos, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère n'ont de place ce soir. Eh, elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Bon, attends. Et oh. Hein? Tu lui disais juste oh. Elle va par là. C'est toi qu'elle verra en premier, j'en suis sûre. Écoute, tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui murmures à l'oreille oh. T'as pas besoin de le dire, hein? Tu lui susurres oh. Tu te souviens tout à l'heure, on en rappelle, les gens applaudissaient et ils disaient bravo, bravo. Tu vois, il y avait le bravo avec un léger rien de oh, 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 oh. Hey, vo, ce serait parfait. Tu veux que je dise vo? Louise, je me demande si le moment n'est pas venu de faire un point sur votre couple. J'en étais sûre. Voilà. La fuite, hein? La tangente, l'esquive! Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Mais beaucoup, Jean-Claude! Non, mais je rêve! Eh, je te signale quand même que j'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo! Ah oui, après m'avoir fougué 4h30 de ta soeur. 3h30! Et là, elle ne rentre pas à pétiner dans sa loge, ça compte pour du beurre. Elle se lave. Tu ne vas tout de même pas compter de la même façon. Simone Dorfèvre et Simone sous sa douche. Oh, tu sais quoi, c'est toi que je compte en ce moment. Toi qui t'additionnes à ta soeur. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes. Aussi assommantes l'une que l'autre. Non, mais attends, mais détrompe-toi, Jean-Claude. Moi, je suis très loin d'être comme Simone. Ah bon? Parce que moi, c'est un beau jeune homme, là. Je veux boucler, là. Ah oui, moulé, sanglé dans des lanières de cuir, traverser un jour ma vie, mais moi, je parle, moi, avec Hippolyte. Moi, je parle, moi, à Skiatos, à Skopelos, à Mykonos. Je pars et je te plante là, toi et ton cerveau de... ton cerveau de... ah, ton cerveau de Sélacante. Tu ne dis rien? Non. Non, mais attends, ça ne te fait rien. Quoi? Que je parte avec Hippolyte? Ça ne te fait rien? Oh non. Tu n'as pas consommé une drague? Non. Et cerveau de Sélacante, c'était dans le Phèdre? On aurait dit. C'est normal, ça vient du grec. C'est Acanthea, Épine, Coelos, Creuse. C'est un gros poisson, c'est notre ancêtre avant singe. Mais Jean-Claude, tu ne m'aimes plus? Et tu me dis à la Comédie Française? Oh, je crois bien que ni toi ni moi on va garder un bon souvenir de cet endroit-là. Mais tu vas? Dehors, boire une bière. Mais tu vas revenir? Oh non, je crois pas, non. Attention à ne pas la renverser sur ton poisson. Ah ouais, j'essaierai. Jean-Claude.